pense qu'il y a eu des progrès significatifs qui ont été faits depuis que, effectivement, les producteurs ont décidé de se lancer dans la banane durable. Aujourd'hui, on s'aperçoit que dans les plantations de bananes, la biodiversité s'est améliorée, s'est accrue, des insectes et des éléments naturels sont revenus. Donc, je voulais vraiment saluer l'effort qui est fait en ce sens. Je crois qu'il faut continuer. Alors, on sait bien que les producteurs sont parfois confrontés à une concurrence avec des bananes qui ne sont pas produites suivant les mêmes normes de qualité. Mais je pense que cet effort est tout à fait important et doit être continué parce que nous sommes aujourd'hui les uns et les autres soucieux de la biodiversité, de respecter la nature, l'environnement et par conséquent tout ce qui permet de continuer à produire en respectant l'environnement et la nature est à complémenter. Donc véritablement, j'espère qu'ils vont continuer en ce sens et qu'on n'aura plus, comme par le passé, à opposer la production et le respect des normes, le respect de la nature. Il me semble qu'aujourd'hui, on est bien parti. Il faut continuer dans ce sens.